Bonjour, je suis Kevin Evia, étudiant en GEA. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un TP sur le jeu qui crée un jeu de simulation de gestion. Allez, viens, suis-moi. Alors Corentin, tu peux me présenter le jeu, s'il te plaît? Le but du jeu, ça va être d'obtenir les 4 compétences, donc budget, environnement, création et marché. Et pour cela, on va jouer sur ce plateau et on va devoir avancer dans le jeu. Et on va tomber sur des cases questions et ces cases questions vont nous permettre d'obtenir des petits jetons pour obtenir les cartes. Et ces questions vont tester nos connaissances sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise et ça va nous questionner sur les différents thèmes du jeu. Mathieu, tu peux me montrer comment on joue au jeu, s'il te plaît? Ouais, en fait c'est très simple, je lance le dé. Donc là je fais 1, je prends mon pion, j'avance de 1. Et comme je tombe sur une case bleue et que c'est une question, on va me poser une question. Je suis une personne physique qui décide d'investir une partie de son patrimoine financier dans des sociétés innovantes à fort potentiel en phase de création ou en phase de développement. Qui suis-je? Un fonds d'investissement, un prêt d'honneur ou une business angel? Une business angel. Ouais. Et donc? Et donc là, comme j'ai répondu bien à la question, par rapport aux règles, on va me donner les billets qu'il me faut. Amandine, qu'est-ce qu'il t'apporte le jeu par rapport au cours qu'on a pu voir cette année? Le jeu, surtout les thématiques sont en rapport avec tous les cours qu'on étudie. Certaines questions reprennent des connaissances qu'on a acquises en cours au cours de l'année. Mais surtout, ça nous apprend d'apprendre des choses qu'on ne savait pas, en s'amusant tous ensemble, et c'est une manière plus ludique d'apprendre. Alors voilà, on t'a présenté le jeu qui crée, j'espère qu'il t'a plu. Si tu aimes apprendre tout en t'amusant, nous t'attendons l'année prochaine en GEA. Merci.